tout le monde, donc je vais vous montrer comment on fait pour sortir le miel des ruches. Moi j'utilise ce qu'on appelle un chasse-abeille. Alors un chasse-abeille, c'est un petit triangle comme ça là. Vous avez un trou de ce côté là, les abeilles passent par là et après elles ont du mal à remonter parce que ça fait un entonnoir tout simplement. Par contre il faut le laisser 24 heures, pas plus, parce qu'après elles ont tendance à remonter. Donc là ce que j'ai fait, j'ai les deux hausses ici à extraire. Je suis déjà passé en préventif, poser une hausse vide pour les occuper. Donc, hop, on tape le nourrisseur. Vous voyez, la hausse elle est vide. Elles sont déjà en train de me le bâtir en 100% neuf. Ça les occupe. Hein. Il faut mettre des hausses parce que quand vous allez voir le monde qui est en dessous, vous voyez, ça c'est les cadres de miel. Donc là, le miel est bon. Que j'ai vérifié des hausses au réfractomètre et en plus de ça il est totalement operculé. Vous voyez, et là comme c'est du colza il faut aller assez vite. Là il est encore bon hein, mais il cristallise. Donc là ce que je fais c'est que les hausses, alors j'ai des ruches en bois, des ruches en plastique. Le plastique c'est pas trop mal en vrai. C'est du plomb cette année. Hop. Ah. Faire attention. Bah tant qu'on défait les hausses. Bon, c'est beaucoup de manœuvres. Hein. Tant qu'on défait les hausses, on va en profiter pour faire une petite visite. C'est une visite rapide, hein. J'ai juste regardé si elles ont pas trop la fièvre d'essaimage. Bon, ça s'était calmé. Vous voyez, là on a un beau cadre de couvre operculé. Donc ça, il faut se dire que tout ça, c'est des abeilles qui vont sortir. Donc ça va bouillir. À mon avis, la semaine prochaine, je vais être bon pour repomper des cadres. C'est même sûr. Ça, c'est la grille à reine pour empêcher que la reine monte. Parce que le but, c'est de faire du miel et qu'elle vienne pas pondre en haut. Parce qu'on vous vend pas du miel avec des larves. Comme ça, on extrait vraiment que du miel. Là, c'est un cadre de couvain tout frais. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de cellules. Les cadres de rive, c'est essentiellement de la nourriture. Ça, c'est la réserve des abeilles. Donc, il y a du miel et du pollen. Ça, on leur laisse. Parce que non, les apiculteurs ne prennent pas tout le miel des abeilles. Puis, vu qu'on... on sélectionne beaucoup les colonies, on fait toujours en sorte qu'elles mettent des réserves au plus près du couvain. Donc là, hop, il n'y a pas de cellules, on voit que ça va. Ils sont en train de réorganiser. Et la mielée, là, c'est un peu calmé, mais ça mielle encore. Hein. Je vais vous montrer la reine si je la trouve. Bon, j'ai de la ponte fraîche donc elle est là. Donc là, j'ai pas trouvé la reine, mais je sais qu'elle est dedans. Parce que j'ai de la ponte fraîche. En fait, je la cherche sans trop la chercher. Vous savez, moi je regarde si j'ai de la pompe, s'il n'y a pas de cellules. Après, on la cherche vraiment quand il y a besoin. Quand on fait de l'élevage, quand on fait des essaims, quand je vais venir tirer des cadres de couvain, là je vais m'assurer de ne pas prendre la reine. Ah bah tenez, tac, j'ai été sur le cadre fermé. Donc voilà. La reine blanche, ça veut dire 2021. Moi, je travaille surtout sur des reines de 2 ans. J'en ai des bleus et des blanches. Cette année, c'est jaune. Donc, les bleus, je vais m'en séparer. Et comme ça, l'année prochaine, je serai blanc, jaune. Je vais essayer d'avoir surtout beaucoup de jaune pour l'année prochaine. Donc voilà, on la remet gentiment dans la ruche. On fait un peu de place pour éviter de l'abîmer.
Donc là on remet un petit coup de fumée pour les faire descendre pour pas en écraser. Même si malheureusement ça arrive. Hein. On remet la grille à reine pour empêcher la reine de monter. Je mets la hausse qu'elles vont bâtir. Le chasse-abeille avec le trou pour faire la technique d'entonnoir. Allez, cette partie-là sur la hausse du dessous. Hop. Et je remets les hausses pleines par-dessus. Et voilà, donc là vous avez le corps de ruche avec la reine, la hausse neuve qu'elles vont bâtir, les deux hausses que je récolte, le chasse-abeille qui les empêche de remonter, et maintenant je reviens dans 24 heures, alors moi je prends un tout petit souffleur parce qu'il reste toujours un petit peu d'abeilles dedans, pour souffler les quelques abeilles parce que je veux vraiment zéro abeille comme à la minerie, parce que bon bah les piqûres ça va bien. Et voilà, on récolte le miel comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça. Il y a plein d'autres techniques, hein, au souffleur directement, à la balayette, il y en a qui tapent les cabres. Mais moi, je fais comme ça. Ça permet aux abeilles de descendre gentiment. Puis bah, moi, j'ai toujours besoin de temps pour faire les interventions, évidemment. Donc, j'aime bien favoriser les techniques qui me laissent du temps, comme les insertions des cellules à J3, les chasses abeilles. Voilà, là, je viendrai avec le souffleur. Il faudra que j'emmène directement les ruches à la mairie. Mais et aussi. En fait, bah, moi, j'ai pas le temps. Voilà. Bon bah bonne journée et bah à bientôt.